certain sentiment de ridicule quand je parle de ma famille, car elle est incroyablement 19e et même 18e siècle. Celui-ci, ce n'est pas le plus ancien que nous connaissions, mais c'est, sous la Révolution, le Chouan, celui qu'on considère un petit peu comme le fondateur. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en fait, je descends de lui, mais je descends aussi de celui-là qui maria sa petite-fille au petit-fils de ce monsieur et qui est lui conventionnel. On trouve aussi, mais alors de l'autre côté, dans la famille de ma mère, Johannes Guillotot, marchand de bois et maire de Versailles, qui épousa Elisa Vatel, l'arrière-petite-fille de ce fameux Vatel qui se passa l'épée au travers du corps parce que la Marie du roi n'était pas arrivée. Voici du reste, en face, la pendule avec les lampes à huile et la commode qui était la leur à l'époque. Ici, c'est le père de René Bazin, Alfred Bazin, peint par son propre père, c'est-à-dire par le fils du Vendéen. Ça, c'est Nicolas, le fils du Chouan, le grand-père de René Bazin, le peintre, celui qui a fait tous les autres tableaux, et qui avait une collection de tableaux d'ailleurs assez extraordinaire. On n'en a que ça, c'est-à-dire un daguerréotype, qui a été plus ou moins trafiqué par la suite, mais qui est assez émouvant, parce que je crois que c'est l'une des premières photos qui existe. Ça, c'est Monsieur Père et Madame Mère. Monsieur Père en simarre, avec sa ferraille, toque en tête et bavette au cou. Et dites-lui, sa moustache, comme une colombe aux ailes déployées, s'avançait vers moi pour me donner le baiser de paix. Et ça, c'est Madame Mère, en robe de lamée, comme il est dit dans Vipère au poing. Contrairement à ce que j'ai dit et contrairement à ce qu'on croit, Madame Mère était belle. Mais vous voyez le bas du visage, dont mon frère disait, en voyant ce menton à galoche, j'ai toujours l'impression de recevoir un coup de pied au cul. Hervé Bazin, voici 20 ans, vous faisiez une entrée fracassante dans les lettres avec Vipère au poing. Vipère au poing, tout le monde le sait, puise sa source dans vos origines familiales. Nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui devant la célèbre tapisserie de la Bellangerie que vous décrivez dans Vipère au poing. Et je voudrais vous interroger justement, non seulement sur vos parents, dont vous avez abondamment parlé sous des prétextes romanesques, mais sur votre famille. Ce qui m'étonne, ce qui a étonné d'ailleurs beaucoup de vos lecteurs, c'est que dans cette famille, je dirais si recommandable sous tout rapport, vous ayez pris le contre-pied de toutes ces idées et de toute cette vie. Quel est le drame intime à la source non seulement de Vipère au poing, mais de cette espèce d'insatisfaction fondamentale qui vous a constitué écrivain? Je crois qu'il y a deux raisons. La première est qu'en effet, j'étais un enfant qui n'était pas aimé de sa mère. Et ça, c'est catastrophique. Et la seconde, qui est peut-être au moins aussi grave, est que je suis né effectivement dans une famille presque ultramontaine, ultra-catholique, royaliste, enfin, une famille de l'autre siècle, dans laquelle les principes étaient enfourchés toutes les 5 minutes, et dans laquelle ils étaient également trahis toutes les 5 minutes. Parce qu'enfin, tous ces gens-là avaient des amants, des maîtresses, etc. Et j'ai été horrifié quand j'étais enfant par la contradiction qui existait justement entre ces principes et les actes. Ajouter à ça les sordides histoires d'argent, les mariages d'argent, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les familles bourgeoises de cette époque. Mais à un point presque caricatural, et je suis devenu d'une sensibilité extrême à l'hypocrisie. On peut dire que tout le début de mon œuvre est un combat contre l'hypocrisie bourgeoise. Il est fréquent qu'un écrivain se révolte contre sa famille, se révolte contre son père. Il est beaucoup plus rare qu'un écrivain se dresse contre sa propre mère, et en quels termes? Ma mère était une femme assez particulière, d'une énergie farouche, totalement dénuée de sentimentalité, je dirais même totalement dénuée d'affectivité. Je n'ai jamais vu un être
qui fut aussi dénué du viscère appelé cœur. Cela, nous le comprenons, et nous comprenons la révolte des enfants que vous décrivez, enfin ceux... Justement, c'est une révolte d'enfants, il faut bien comprendre. Je ne pouvais pas analyser à l'époque. Je ne pouvais pas avoir les réactions que j'ai maintenant sur ce problème. Parce que je sais des choses que je ne savais pas. Un enfant qui voit qu'on ne l'aime pas, il ne s'explique pas la chose. Il s'aperçoit qu'il lui manque quelque chose, le capital. Et il a l'impression qu'on lui a fait, que Dieu même lui a fait une injustice capitale. Et il est immédiatement enclin à considérer que tout doit être rejeté et combattu, qu'il doit se venger pendant l'éternité d'une pareille injustice. Je crois en effet que rien n'est pire que de n'être pas aimé de sa mère. Mais nous avons le sentiment qu'il y a un autre roman que vous n'avez pas écrit, qui est justement le roman de cette mère et de ce père. Et alors là, l'explication manque dans Vipère au Poing. Je n'avais pas voulu la donner. Précisément pour constituer un personnage qui fut plus insolite et plus dur. J'ai donné quand même dans La mort du petit cheval une partie de la clé. L'autre, je ne l'ai pas donné. Vous êtes parti de la constatation d'un désastre familial et vous êtes arrivé par un long cheminement à l'amour à travers des romans qui s'appellent « La mort du petit cheval » au nom du fils. Je pense que c'est la paternité qui vous a sauvé. Et pourtant, au moment où vous écriviez « Vipère au Poing », vous étiez déjà père. Je crois que vous piquez au centre. Il est vrai que, au sortir de ma jeunesse, profondément choqué, j'aurais pu donner à peu près n'importe quoi. Un malade mental, un mauvais garçon, tout ce qu'on voudra. Dans un certain sens, Vipère au Poing a été la détente, la décharge. On pourrait presque dire la cure psychanalytique. Mais enfin, à partir de ce moment-là, il y avait deux possibilités. Ou de continuer dans le nihilisme familial et social, ou au contraire d'essayer de réussir ce qui m'avait si profondément manqué. Or, c'est finalement cette voie-là que j'ai choisie. Et on a vu cette chose assez incroyable, c'est que le nihiliste familial et social, il a fait 5 enfants avec 3 femmes, et pendant 20 ans, il n'a pas cessé de parler de la famille, dans tous ses romans. Et d'en devenir presque un spécialiste de ses difficultés. Je crois que j'avais eu raison. Et car, comme vous dites, et même si je n'ai pas dans le privé parfaitement réussi, dans la mesure où précisément ma jeunesse était un obstacle et m'avait donné de mauvais réflexes. Pour le reste, je ne suis pas mécontent. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais faire, ce que je devais faire, pour tirer parti précisément de cette expérience. En fait, je suis arrivé à la littérature dans un état assez particulier, de rogne, de colère. Je me suis un peu vengé au départ de la société, comme de la famille. C'est un état qui donne du ton, qui donne un certain éclat, mais qui n'est pas toujours d'une totale objectivité. Le temps a passé, et Dieu merci, je ne suis pas le même que j'étais à cette époque. Nous ne pouvons pas être le même. Un écrivain qui reste le même toute sa vie est un écrivain qui ment, parce qu'en fait, à chaque âge, nous avons d'autres préoccupations et d'autres réactions. Admettons, vous m'avez convaincu, vous êtes un homme d'ordre, et vous êtes en train de devenir un romancier classique. Vous l'êtes déjà. Je crois qu'un romancier classique, je n'ai jamais cessé de l'être, pour la forme. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnaître comme un homme d'ordre? Je vois que vous tiquez. Ce sont vos convictions de gauche, le fait que vous vous estimez un écrivain socialiste. Oh, vous savez, socialiste, tout le monde l'est actuellement. Et je pense même qu'on pourrait donner l'étiquette au général de Gaulle, qui a pris l'habitude, disons, de faucher à ses ennemis leur principale carte. Mais là n'est pas la question. Je pense que de toute façon, j'ai été formé de telle sorte que l'opposition me paraisse avantageuse et source de progrès. Je crois très fortement à la phrase de Sartre, l'écrivain est fait pour inquiéter. Et ce faisant, ce n'est pas du tout exprimer le nihilisme qui a été d'abord le mien au départ, c'est exprimer une vérité première, à savoir que si nous aimons, je ne crains pas, voyez-vous, de prononcer ce mot, si nous aimons ce monde, nous devons l'inquiéter. Je ne serais donc
jamais un conformiste parce qu'il y a trop d'injustices à dénoncer. Et quelle que soit d'ailleurs la société où nous vivons. Croyez-vous qu'elle va sauter, cette société? Croyez-vous que les événements que nous avons vécus en mai 68 soient le prodrome d'une révolution dont nous ne mesurons pas encore les conséquences? Je ne suis pas sûr que nous allions où la plupart des gens croient. En gros, et en laissant tomber les excès qui ont eu lieu et les absurdités, on peut dire que néanmoins, je crois que il y a dans la jeunesse un mouvement intéressant. Parce que précisément, cette jeunesse fait mouvement de tous les côtés, aussi bien dans l'Est que dans l'Ouest. Et elle demande à chaque endroit ce qui lui manque le plus. Dans les sociétés capitalistes, elle demande plus de justice. Dans les sociétés communistes, elle demande la liberté. Ceci signifie qu'elle ne sera pas comme nous, qu'elle n'est pas satisfaite avec un seul produit essentiel, ou la liberté ou la justice. Elle veut à la fois les deux. Et ceci me laisse penser que toutes les formations politiques existantes seront remplacées par quelque chose d'autre. Nous ne le verrons peut-être pas, mais c'est à peu près certain. Et quant à dire par quoi, c'est très difficile parce que ça appartient à nos héritiers.